Alors, aujourd'hui, on va parler d'une personnalité que pas beaucoup de gens connaissent, mais qui est énorme et qui nous appartient à nous, Mamash. Et c'est Pelé, c'est étonnant qu'on ne parle pas assez de cette personnalité-là. Baba. C'est qui cette Baba. personnalité? C'est le frère de Rabbeinu, Rabbi Yechiel Tzvi. On avait parlé Le l'autre fois frère dans une plus âgé de Rabbeinu. Il avait un frère et deux sœurs ou Il deux avait deux frères? frères et une sœur. Donc là, tu parles de l'aîné. Je parle de l'aîné. Il y en a qui disent que c'est pas l'aîné. On ne sait pas exactement si c'est l'aîné, si c'est pas l'aîné. Ça dépend les historiens. Non. Rabbeinu, c'est certain que c'est pas l'aîné. Non, c'est le La question, c'est est-ce que c'est Rabbi Israël Met l'aîné ou Rabbi Yechiel l'aîné? Rabbi Israël Met aussi, c'était un frère de Rabbeinu. Rabbi Israël Met. C'est le frère de Rabbeinu dans lequel, quand il est né, il n'était pas en bonne santé. Et Fegué, la maman de Rabbeinu, de Rabbi Israël, elle a pris son fils, elle est allée chez le Baal Shem Tov, elle a dit au Baal Shem Tov, j'ai prié pour un enfant vivant, j'ai pas prié pour un enfant mort, je te laisse mon enfant ici. Et il était mourant, complètement mourant, en train de mourir. Il était mort même, je crois. Et il était mort, ben même s'il était mort. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain matin, des gens ils sont venus au caverne du Baal Shem Tov et ils ont entendu un bébé pleurer. Alors ils ont dit, c'est quoi ce truc-là? Où elle est la maman? C'est un nourrisson. Et là, ils ont vite découvert que c'était le fils de Feige. Ils l'ont ramené C'est pareil. et... Il a revécu, quoi. Il a revécu. Et le Baal Shem Tov, il est venu en rêve chez Feige, sa fille, sa petite fille. Il lui a dit, comment ça se fait? Pourquoi quand tu es venu dans ma tombe, tu m'as crié? Tu étais affolé, tu étais... Il dit, à cause de ça, j'ai pas eu le temps de chercher une belle âme pour lui. Parce que lui, Béhémet, son âme était morte. Il n'y avait rien à faire. Et il fallait lui trouver une nouvelle âme. Mais comme tu es venu en faisant beaucoup de bruit, de cris, etc. Alors j'ai pris la première neshama que j'ai trouvée et je lui ai donnée. C'était une neshama d'un homme qui était déjà mort. Et c'est pour cela que ce Rabbi Israël Met là, il avait une apparence de mort toute sa vie. Il était très pâle. Il avait des cheveux très pas noirs. Il avait des cheveux gris blanc, très spécial. Et il n'a pas vécu longtemps. Il est niftar à l'âge. 120 ans. Ouais. Alors je ne sais pas s'il a eu 100 enfants, je ne sais pas. Mais il faudrait voir. En tout cas, il est enterré à Mejibouge, à côté du Baal Shem Tov, dans la petite allée quand on marche. Mamash a écrit là-bas la tombe Rabbi Israël Met, petit-fils de Rabbi Nachman, de Rabbi Israël Baal Shem Tov. Et bien sûr, donc Rabbi Israël Met, il a été appelé au nom du Baal Shem Tov. Maintenant, il y avait un deuxième enfant. C'était Rabbi Yechiel Tzvi. Rabbi Yechiel Tzvi, il a été appelé Rabbi Yechiel au nom de... du gendre du Baal Shem Tov. Rabbi Yechiel Deutschland. C'était qui Rabbi Yechiel, le gendre du Baal Shem Tov? Un Allemand, non? C'était un Allemand, il venait de l'Allemagne. C'était un tzadik nistar, mamash. Et quand le Baal Shem Tov il est venu pour voir le Khatan, le gendre, c'est-à-dire le mari d'Odel, le mari d'Odel, quand il est venu pour voir avant le Shidduch, alors le Baal Shem Tov il a envoyé quelqu'un, un de ses élèves, pour le parler un peu de l'Imoud, pour voir. Alors l'élève du Baal Shem Tov il vient, il commence à lui dire tu connais un peu ça, qu'est-ce que tu en penses de ça, et la Torah, et l'Avodat Hashem, et il a voulu voir s'il est baki dans les Sfarim. Et là, Rabbi Yechiel, il le regarde, il était tout jeune, il a dit, écoute-moi bien, je ne connais rien, rentre chez ta mère, je ne vais jamais connaître rien, et j'ai jamais rien connu. Voilà. C'est ça. Et le Baal Shem Tov, il a dit, c'est un bon ratan pour ma fille. Et elle s'est mariée donc avec Rabbi Yechiel. Donc maintenant, l'enfant qu'elle a eu, Feige, c'est au nom de son grand-père, Rabbi Yechiel Tzvi, le frère de Rabbeinu. Rabbi Yechiel Tzvi, il a été appelé au nom du beau-père, en fait. Et Rabbi Yechiel Tzvi, c'était un homme, mes amis, qui était dans la Vodat Hashem. Il était
On peut pas comprendre la grandeur de Rabbi Yechiel. On peut pas s'imaginer sa puissance. De la même façon que Rabbi Yechiel, le grand-père, il était un tzadik nistar, Rabbi Yechiel Tzvi, il était aussi un tzadik nistar. Rabbi Yechiel Tzvi, il habitait dans le sud de l'Ukraine, à Kremenchuk. C'est très 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 en bas. C'est à peu près 5 ou 6 heures de Mejibouge. Là où Sarah est enterrée, il y avait beaucoup de la famille de Rabbeinu qui habitait dans la ville de Kremenchuk. Et aussi des élèves de Rabbeinu. Je ne sais pas pourquoi exactement il y avait un Inyan à Kremenchuk, mais il y avait beaucoup d'élèves de Rabbeinu qui étaient à Kremenchuk. Rabbi Yechiel Tzvi habitait à Kremenchuk. Et le pauvre, Rabbi Yechiel Tzvi, c'était un tzaddik, Oved Hashem, qui était un petit peu pas comme tout le monde, on va dire. Ça veut dire, il était, quand on rentrait dans la synagogue et qu'il était dans la synagogue, tout de suite tu le remarquais. C'est de ça que je parle. Ça veut dire, il sautait, il dansait, il frappait des mains, il chantait, il tournait autour de lui, il criait les filotes, il partait, il revenait un mois plus tard. Mais c'était qui son maître? Comment il a... Alors on ne sait pas, on ne connaît pas, on n'a pas de plus que ça, de connaissances sur lui. On a sur lui 3-4 histoires, Zéou, 3-4 histoires. Mais ces histoires-là, ils sont très importants parce qu'ils sont indicatifs à plusieurs choses. Rabbi Yechiel Tzvi, donc, c'était un Oved Hashem qui était un peu bizarre. Ça veut dire qu'il s'en foutait du monde. Il servait Hashem comme il le sentait, comme il le voulait, avec force, avec vitalité, avec enthousiasme. Et malheureusement, comme il y a toujours des personnes qui sont des leitzanim, des rieurs, des charieurs, malheureusement, il y en avait beaucoup des gens qui se moquaient beaucoup de lui. Et quand il y avait un problème dans la Keïla à Kremenchuk, ils étaient contents de mettre ça sur la tête de Rabbi Yechiel Tzvi pour voir comment ça va se passer. Et le pauvre, il souffrait beaucoup de machloket, même avec des grandes personnes, même avec des rabbanim et des tzadikim, les gens l'embêtaient mamash. C'était avant son mariage ou après son mariage? C'était après son mariage. Ah. C'est après qu'il était déjà un vrai, après qu'il était... Donc il ne le respectait pas parce que c'était plan du Baal Shem Tov. Apparemment, il ne savait pas honorer la Baal Kanéré. C'était des gens, on va dire, simples, on va dire moins... Du Brel. Et malheureusement, c'était des gens qui avaient du... Parce qu'à Kremenchuk, il y avait du business là-bas. Il y avait un grand chouk. Donc c'était des gens qui avaient de l'argent, mais qui n'étaient pas le chouk, le marché. C'était des chassidim. Maintenant, mes amis, l'histoire commence en plein milieu où Rabbeinu, il est actuel, comme on avait dit, si vous vous rappelez, il est à Zaslav avec sa femme, et sa femme, elle est presque mourante. D'accord ? On est là. On est entre... Il a eu deux femmes. On n'a pas dit qu'il est reparti dans la famille de sa femme. Alors, ils sont repartis dans la famille de sa femme, Nahon, ils sont là-bas. C'est chronologique, les lettres? Non, mais là, oui. Non, si, les lettres sont chronologiques. Ah, oui. Toutes les lettres sont chronologiques. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que petit à petit, Rabbeinu, il s'est fait... Vous savez, comment Rabbeinu, il s'est découvert dans le monde? Est-ce que vous savez? Vous connaissez l'histoire de comment Rabbeinu, ouais, il est sorti dans le monde? Comment? C'est un mariage, quoi, après l'avoir. Non. En plus, si tu dis que c'est pas avec les Mishnah de son beau-père. Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, jusqu'à l'âge de 18 ans, pile, comme ça il dit Rabbi Nathan dans Rabbi Moran, jusqu'à l'âge de 18 ans, Rabbeinu était l'homme le plus caché au monde. Le monde le prenait pour un rigolo, pour un ridicule. Un homme qui ne sait pas lire, un homme qui ne comprend pas la Torah, un homme qui s'amuse avec le ballon avec des petits-enfants, et un homme qui rigole à droite à gauche et qui... Il se cachait, Rabbeinu. Jusqu'à l'âge de 18 ans, Rabbeinu était un homme caché. Il n'y avait que un qui était proche de lui et qui savait qui il était. C'était son élève, Rabbi Shimon, le premier élève de Rabbeinu, que c'était son Ish Sodo. C'était son... Il avait écrit, pas sorti. Le copain de son beau-père, il l'a vu dans la forêt faire une bouée d'eau. Oui, mais alors, donc il a réglé l'histoire, il a dit ne l'embête plus. Hein. Il a dit juste ne l'embête plus, ouais. Mais ça veut dire il reste un imbécile. Mais le copain, il savait. En tout cas. Le copain, il savait. Rabbi Shimon, il savait. D'ailleurs, il lui avait mis en serment de ne jamais rien dire et de ne jamais rien parler. Oui, Rabbi Shimon, celui qui a enterré Hatzpah, Nachon.
Et Rabbi Shimon, parce que c'était son shamash, il l'emmenait dans la forêt la nuit. D'ailleurs, c'est encore son shamash. Ouais. C'est encore. Mais c'est intéressant parce qu'on a accès au shamash de Rabbeinu. Mamash. Et pas loin. D'accord. Et maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'un jour, Rabbeinu, il a reçu canérer un siman du ciel, que le moment est venu. Et c'était à l'âge de 18 ans, le beau-père de Rabbeinu avait perdu son père. Alors il a invité la communauté pour faire les prières de la Askara. Et ils sont venus plusieurs personnes, dont Rabbeinu est venu à l'âge de 18 ans. Et tout le monde parlait de Rabbeinu. Parce que d'un côté, Rabbeinu était sage, il était intellect. Et les gens, ils voulaient voir c'est qui l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov. C'est-à-dire, on veut connaître, c'est qui, c'est quoi. Donc tout le monde disait, waouh, le gendre va venir de... Et Rabbeinu, il est venu donc dans la synagogue, et le beau-père, il a donné à tout le monde des Mishnayot à lire pour son père. Et quand il a donné des Mishnayot à Rabbeinu, il s'est évanoui. Le beau-père s'est évanoui. Tout le monde, ils ont commencé à regarder à droite, à gauche, et ils l'ont réveillé, il s'est réveillé. Il a dit, j'ai vu mon père qui me dit à... un vrai comme ça, tu donnes des Mishnayot à lire. Et il s'est évanoui. Et cette fois-ci-là, mes amis, c'est là où le nom de Rabbeinu a commencé à sortir dehors. Après, il y a eu une autre histoire avec une fille qui a été prise en otage et qui a été perdue. Il y avait une ville où là-bas, il y avait des problèmes. Et un des problèmes, c'est que les enfants juifs, d'un coup, ils étaient Nélamim, comme on dit. Ils disparaissaient. Et un jour, il y a eu une fille, quand Rabbeinu, il était dans cet même endroit, à Medvedivke, si je ne me trompe pas, où il y avait une fille qui a été prise. Et tout le monde était en train de paniquer. Ma fille, qui... Comment c'est possible? Et ils ont envoyé des lettres à tous les tzadikim, que les tzadikim, ils peuvent dire dans le roi Hakodesh, où elle est pour la chercher. Personne n'a répondu, personne ne savait quoi, comment. Et là, ils ont dit, ah, il y a le gendre le beau-père de Rabbi Nachman. Peut-être qu'il va demander à Rabbi Nachman, il avait à peine 18 ans, peut-être qu'il peut savoir, on ne sait pas, c'est le petit-fils du Baal Shem Tov. Alors ils sont allés voir Rabbeinu, qui avait 18 ans, la première fois qu'il y a un premier contact. Et Rabbeinu, il a dit, oui, je sais où elle est. Où elle est? Elle dit, elle est chez le curé de la ville. C'est le curé de la ville qui prend les enfants. Ils étaient, c'est pas possible. Il est très gentil, il est en bon terme avec les juifs, tout est bien, tout est ok. Il dit, non, allez, et vous allez voir. Descendez, il y a un martef, comment on dit un martef, un sous-sol en bas. Et dans le sous-sol, il y a là-bas tous les enfants que vous avez perdus. Ils sont allés et ils ont vu, ils ont découvert, ils ont tué le curé. Et depuis ce jour-là, le nom de Rabbeinu, il a commencé à fusionner dans toute l'Ukraine. Toute l'Ukraine, 18 ans, a fusé, ouais. Mamage, ça veut dire, c'était un grand ridouche. À ce moment-là même, mes amis, Rabbi Nachman de Breslev a commencé à ne pas faire de miracles, comme c'était Mekoubal avec le Baal Shem Tov. Et le seul travail qu'il faisait, c'était de donner des Dvar Torah et des remontrances. Il était dur au début, Rabbeinu. Il était très... Et le Sefer Amidot qu'il avait écrit, ouais. Il n'était pas diffusé? Jamais. Le Sefer Amidot, il a été diffusé l'année où Rabbeinu est mort. Rien que l'année où Rabbeinu est mort. Tavkouf, Aïn, Aleph. Même Rabbi Nathan, il n'avait pas accès au Sefer Amidot? Non. Rabbi Naftali. Du vivant, peut-être. C'était plutôt Rabbi Naftali. Rabbi Naftali, il y a une histoire où on voit qu'il avait le Sefer Amidot de Rabbeinu. Et Rabbeinu, il a vu que lui feuilletait dedans. Et là, Rabbeinu, il lui a dit sur le Sefer Amidot, ce livre m'a rendu juif. C'était chez Rabbi Naftali. Dans la charrette là-bas, dans le voyage de Ouman, quand il était en voyage pour aller à Ouman. Mais à part ça, on ne voit pas qu'il y avait un... C'est que après qu'il a été imprimé. Donc ce livre était encore en cachette, tout là-bas. Donc il était encore en cachette, on va dire. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Rabbeinu, et ça a changé un changement. Le fait qu'il y a un Admour tzaddik qui n'intervient pas dans la vie matérielle. Parce qu'à l'époque, les tzaddikim, c'était aussi et surtout des tzaddikim qui nous aident dans la vie matérielle. Dans la bracha, la parnassa, la refoua,
toujours les sipurim qu'on entend, c'était pas des tzadikim qui te boostaient dans la voie d'Hachem, c'était plutôt pour des prieurs pour prier. Tu allais chez le Noam Elimelech, c'était que des choses comme ça. C'est peu le. Mais Rabbeinu, son nom a sorti dans le monde que c'est un tzadik qui fait pas de miracle, il donne que de la voie d'Hachem. Et ça, ça a plu beaucoup certaines personnes, dont les premiers, Rabbi Shmuel Isaac, Rabbi Yudel, le Magui de Trovitze et Rabbi Yechiel Tzvi. Rabbi Yechiel Tzvi, à l'âge de 22 ans, quand Rabbeinu avait à peu près 22 ans, avant qu'il voyage à Ouman, Rabbi Yechiel Tzvi entend que son frère, le nom de son frère, grandit partout. Il s'est dit, il faut que j'aille voir, il faut que j'aille voir. Mais lui, c'était un faiseur de miracles ou pas? Rabbi Yechiel Tzvi, non. En tant qu'arrière petit-fils du Baal Shem Tov, on pouvait aller solliciter pour demander des choses. Je crois pas. Rabbi Yechiel Tzvi, je crois pas que c'était un faiseur de miracles, puisqu'il avait beaucoup de marloquettes. Tu sais, quand tu fais des miracles, t'as pas de marloquette, hein, t'as plein d'amis à côté de toi. C'est justement quand tu donnes de la voda tachem que les gens ils sont contre toi. Donc Rabbi Yechiel Tzvi, lui, il a entendu le nom de son frère. Maintenant, il faut que vous compreniez quelque chose, mes amis. Rabbi Yechiel Tzvi, c'est le grand frère. Ouais. Rabbeinu, c'est le petit frère. C'est dur quand même de voyager chez son petit frère pour venir voir ce qui se passe. C'est pas pachoute. Mais Rabbi Yechiel Tzvi, il aime le Emet plus que tout. Le Kavod. Alors, Rabbi Yechiel Tzvi a envoyé une lettre à Rabbeinu en lui disant, Rabbeinu, je voudrais passer Shabbat avec toi. Rabbeinu Akadosh, très content, bien sûr, Baruch Rabba, Bessimcha Rabba, Bekef. Et Rabbi Yechiel Tzvi a passé Shabbat. Alors écoutez bien, mes amis, parce que c'est presque la seule histoire qu'on a de Rabbi Yechiel Tzvi. Comprenez cette histoire, elle est très très importante. C'est quoi? Le Shabbat, mes amis, vous savez que Rabbeinu, il avait autour de sa table, le Shabbat, en général, c'était des Baalei Batim. Le Shabbat était Mukdash, c'est-à-dire était réservé aux gens simples. Les travailleurs, les laboureurs de terre, les gens pauvres, les petites personnes. Comme eux, pendant la semaine, ils sont très occupés, ils n'ont pas le temps de servir Hachem, ils n'ont pas le temps de venir. Alors Rabbeinu, lui, il se mobilisait pour eux tout le Shabbat. Tout le Shabbat, personne ne pouvait rentrer des élèves de Rabbeinu avec Rabbeinu. Ni Rabbi Nathan, ni Rabbi Naftali, ni Rabbi Shmuel Isaac, ni Rabbi Yudel. Non, vous pour vous, j'ai des autres temps. Il y avait des fois comme ça que Rabbeinu, oui, il faisait... mais en général, on va dire, dans 80% du temps des Shabbatot de Rabbeinu, c'était Mukdash réservé aux gens simples, les gens d'autour qui viennent entendre un petit peu la paracha de la semaine, de dire des paroles des Mounas, Mamash, mettez les téfilines, c'est important de garder Shabbat. C'était ça Rabbeinu, Mamash. Tov, Rabbi Yechiel Tzvi, lui, il ne connaît pas, il ne sait pas. Alors il vient, Shabbat. Maintenant, Rabbi Yechiel Tzvi, vous savez, le Shabbat, comment recevoir le Shabbat, c'est toute une sorte de chose. C'est nous, on est habitué, le Shalom Alechem, Eshet Ra'i, les Tunisiens, Bar Yochai, et qui douche, et on mange, et c'est fini, d'accord? Mais mes amis, en vérité, c'est pas comme ça qu'on reçoit Shabbat. Shabbat, c'est toi qui dois l'amener. C'est pas en allant à la synagogue. Le Shabbat, il commence depuis mercredi matin, comme aujourd'hui. Dès que tu dis, Yom Yom, Revi'i Be Shabbat Kodesh, tu dis El Nekamot Adonai, El Nekamot, à la fin on dit Lechuner Anena l'Adonai, le Lechuner Anena, il te rapproche au Shabbat prochain. Donc dès maintenant, là, tout de suite, dès ce matin, on dit Shabbat Shalom, on dit Lichvot Shabbat Kodesh, et aussi, tout est comment, la lumière du Shabbat, elle commence. Mercredi, jeudi, mercredi, on fait quoi, d'après la Halakha? Le mercredi, on lave les habits pour Shabbat. Le jeudi, on commence les préparations on achète le manger pour Shabbat. Et le vendredi, on cuisine. C'est-à-dire, c'est un enchaînement. Et le vendredi, il est intense. C'est-à-dire, le matin, on dit les Shnaï Mikra Vecha Targum. Après, on va au Mikvé, Shira Shirim. Et chacun comme il peut, etc. On reçoit le Shabbat. Mais on n'a pas encore reçu le Shabbat. Comment on reçoit le Shabbat? Quand on va témoigner sur le vin. Le soir, Yom, Hashishi, Vayechuloa, Shamaim, Baret. Mais maintenant, avant ça, il faut encore des préparations. Alors, le Baal Shem Tov, il a institué, c'est tous les chants qu'on fait. Les chants de Eshet Ra'il, de Azamer Bishvachin, de Ribon Kol Olamim, Madon Kol Aneshamot, Melech Abir, Melech Baruch. Vous lisez le Ribon Kol Olamim avant le Kiddush?
Non, c'est pas grave. Bezrat Hashem. Dans le Ratson, il faut rajouter ça dans le Ratson, Bezrat Hashem. C'est dans tous les sidourim. Dans tous les sidourim. Non, mais dans tous les sidourim, c'est pas rare, Ashkenaz. C'est une demande qu'on demande, hein, importante. C'est des demandes qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, que le Shabbat il soit comme il faut, etc. Maintenant, il y a tout un seder. Alors, ça dépend comment il fait. Alors, Rabbi Yechiel Tzvi, il rentre. Et la première chose qu'il veut voir, c'est comment il reçoit le Shabbat. Comment il fait rentrer le Shabbat, Rabbeinu. Parce que c'est le minimum, je veux voir ton Shabbat. Alors Rabbi Yechiel Tzvi, il voit toute la naga du Shabbat de Rabbeinu. Mes amis, on ne peut pas décrire ces choses-là. Même Rabbi Nathan, dans Shifra Aran, il écrit, même après que le Mashiach viendra, on ne pourrait pas goûter cette puissance de ce qu'il y avait à la table de Shabbat, le soir de Shabbat, chez Rabbeinu. Comment ses yeux, il était tout rouge, il était d'une joie énorme, il chantait, il dansait, il était dans une sphère où des fois il était éteint, il était pas, il revenait, il repartait, il chantait, c'était toute une, tu pouvais t'asseoir et être là juste de le visionner toute la nuit, tellement que c'était spécial. Rabbi Nathan, Shalom Aleichem, Rabbi Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, il fait le kidouche, il fait amotzi, il s'assoit, il mange, et après qu'il mange, il commence à parler avec les balais batim. Et de quoi il parle avec les balais batim? Il commence à parler du foin. Quel foin vous donnez à vos chevals? Rabbi Yechiel Tzvi, il ne parlait pas Shabbat du tout. Tani Dibur. Il ne parlait pas. Il ne parlait pas Shabbat. Et il entend que Rabbeinu, à table de Shabbat, c'est le Kodesh HaKodashim, c'est le Bet HaMikdash, c'est le Shulchan, c'est là où le Shabbat, ils sont là. Il parle de quel foin vous donnez au cheval. Alors Rabbeinu, il donne des conseils. Vous savez, je crois que si vous donnez du foin mélangé avec de l'eau, alors les chevaux pourront mieux digérer et ils seront plus... Et l'autre, il intervient. Oui, non, et toute la table de Shabbat, on parle de foin à table de Shabbat. Rabbi Yechiel Tzvi, il est complètement perdu. Il se dit, bon, on va voir demain. Peut-être demain, ça va être autrement. Et le lendemain... Tout est top, la prière, le kidouche, etc. Au moment où on commence à manger, il y a une nouvelle discussion. Qu'est-ce que vous en dites du marché d'aujourd'hui, et ça part dans tous les sens des sirot roulin pendant Shabbat, que même Alpi Alaha, c'est un problème de parler. Il y a écrit Vedaber Davar, Sheloy Yediburcha, Shel Shabbat, Kediburcha, Shel Chol. Comme encore ça. Plus à la table de Shabbat ou c'est Shabbat c'est encore plus à la table de Shabbat. À la table de Shabbat, c'est mamash le Shabbat qui est ici avec toi. C'est mamash le Shabbat. La table de Shabbat, c'est spécial. C'est kadosh mamash. Alors Rabbi Yechiel, il dit, bah, j'ai compris, je ne sais pas ce que j'ai entendu. On m'a raconté des bobards sur mon frère. Motzé Shabbat, je fais mes valises et je me barre le plus vite possible. Seouda Shlishit. Il savait même pas s'il venait. Il s'est dit bon, je vais aller parce que j'ai pas nulle part où y aller. Et à la Seouda Shlishit, ça retourne pareil. On parle des Sichot Roulin à droite et à gauche. Rabbi Yechiel Tzvi, il est complètement mécontent de ce Shabbat là. Et à ce point, bien sûr, à ce point. Pas du tout. Mais ça veut dire, ce sont des bases. Ce sont des bases. Si ton Shabbat, il est comme ça. Que quoi? Je sais pas. Il y a sûrement quelque chose derrière, quoi. Non. Apparemment, non. Mais non, pour lui, c'est son petit frère. Donc, à la base, il n'avait pas d'estime pour lui. Je ne sais pas si on peut dire ça, maman, Sharon, mais tu as raison, ça veut dire. Il y a aussi ça, mais ça veut dire, c'est son tzadikim après tout, tu comprends? Oui, mais bon. Oui, ça veut dire, c'est plus un travail pour lui. Il est venu voir, il est venu apprendre. Et là, il n'a rien appris. Si tu viens, c'est que tu doutes quand même que. En tout cas, Motzé Shabbat, il a fait sa valise et il est parti. Il a fait sa valise, il descend sur pour se préparer les chevaux. Et là, Rabbeinu HaKadosh, il envoie son shamash appeler Rabbi Yechiel. Le shamash, il vient appeler Rabbi Yechiel et il dit, ton frère t'appelle. Top, Rabbi Yechiel, il rentre Motzé Shabbat chez Rabbeinu. Il dit, comment? Tu me dis pas au revoir? Comment tu... Alors il dit, mon frère à moi, je comprends pas
ton Shabbat, tu as parlé des Sirot Roulin. Je n'ai pas l'habitude de parler du tout pendant Shabbat. Là, j'ai dû parler en hébreu, j'ai dû parler, je suis sorti de mon habitude. Comment c'est possible? Explique-moi ce qui se passe. Je ne sais pas. Alors Rabbeinu, il lui dit, défile tes valises et viens à la chambre. Alors il ramène ses valises, il monte dans le grenier avec Rabbeinu. Rabbeinu, il s'assoit devant lui dans une table et il lui dit, est-ce que tu te rappelles de la première conversation qu'on a eue avec le soir? Alors il dit, pas du tout, je ne m'en rappelle pas, je voulais pas y penser, je voulais pas voir. Il dit, ben maintenant je vais te raconter de quoi on a parlé. Et là Rabbeinu, il lui ressort toute la conversation en détail qu'il y avait le soir à la table de Shabbat avec les gens simples. Bon, il lui dit, autant tu te rappelles de qui a dit quoi et qu'est-ce que t'as dit et comment. Il dit, maintenant je vais t'expliquer ce qu'on a dit. Et là Rabbeinu Akadosh, il a déshabillé toute la conversation, il lui a fait faire montrer comment, en fait, de quoi il parlait. En fait, il parlait avec Hachem, il parlait avec les cieux. Mais c'est ça, en fait, il parlait tout seul. Il parlait avec Hachem. Les autres, ils répondaient, mais ils ne savaient pas de quoi. Non. Ils n'étaient pas dans le coup. Mais comment ils répondaient? Ils prennent quand même sans savoir. Bien sûr qu'ils prennent. Vada qu'ils prennent. Mais ça veut dire... Mais ils ne savent pas. Si tu leur demandes, ils ne savent pas. Inconsciemment. Inconsciemment, Dieu, il lui répond. Lui, il croit qu'il parle de foin et de cheval. En fait, il continue la même conversation avec la même kavana de c'est quoi le cheval? Le cheval, c'est un homme qui est rempli de ta'avot. C'est quoi le foin? C'est la parnassa. Rabbeinu, il essayait d'anéantir le foin, d'anéantir... Mamash, comme si pour Emasiot. Lui, il répondait, il croit que Rabbeinu, il lui parle de foin. De... Mais ce qu'il sait pas, et ça, Rabbeinu lui a décortiqué. Il lui a dit, tu vois, quand lui, il m'a dit ça, en fait, c'est dans le ciel, c'est lui qui est intervenu et qui dit, c'est peut-être comme ça. Et lui, quand il m'a dit ça... Quand Rabbi Yechiel a entendu ça, il était bouche bée. Il lui a dit, maintenant, est-ce que tu te rappelles de ce qu'on a parlé le lendemain? Il ne savait même pas, il ne pouvait même pas parler. Il lui a dit, non, il dit, maintenant je vais te rapporter. Il lui a commencé à parler toute la conversation, tout en détail. Et là, il lui dit, maintenant je vais t'expliquer de quoi on parle. Et il lui a tout dévisagé, tout enlevé, tout déshabillé, toute la conversation dans les secrets, même pendant Soda Shlichit. Vous savez, mes amis, ce qui s'est passé à Rabbi Yechiel? Toute la nuit, d'ailleurs. Rabbi Yechiel, pendant trois jours. Trois jours. Rabbi Yechiel n'a pas dormi, il n'a pas arrêté de pleurer, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il n'est pas allé aux toilettes, il ne bougeait pas. Il était en ribouillant, en frustré. Non mais ben mec, mes amis, je ne sais même pas s'il a pu aller à la synagogue, faire. Il n'a pas pu bouger, je ne sais pas comment il a prié. Il était tétanisé, voilà, c'est ça le mot, tétanisé. Il a vu comment le monde... Il est déshabillé à travers les yeux de Rabbeinu et que Rabbeinu, il voit tout. Rabbi Yechiel est rentré chez Rabbeinu, il lui a dit, je suis ton élève, je m'annule devant toi totalement. Et depuis, Rabbi Yechiel Tzvi est devenu l'élève de Rabbeinu qui s'est annulé totalement à son grand frère. Et lui, Rabbi Yechiel, faisait partie des 10 premiers élèves que Rabbeinu il avait à son époque. Alors Rabbi Yechiel Tzvi, le pauvre, quand il est devenu un petit peu Breslev et que ça a rajouté à sa folie, à la folie qu'il avait dans la Vodat Hashem encore plus, alors malheureusement, il a eu des souffrances de Mahloket. Des rabbanim, ils sont venus, ils lui ont dit, mais comment, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi prier tôt? Pourquoi se lever la nuit? Tu appartiens à des gens qui sont comme ça, etc. Bekitsur, des problèmes jusqu'à qu'il l'endommageait même sur sa parnassa. Il l'a endommagé même sur sa parnassa, je ne sais pas exactement. C'est possible qu'il avait une misra rabbanout, il répondait à des réponses dans la rabbanout ou quelque chose comme ça, des chalotes, mais il lui faisait des problèmes même sur la... Et il n'arrivait pas à servir Hachem de cette manière-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça, mes amis? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'en peut plus? Qu'est-ce qu'on fait quand on a des problèmes dans notre avodat Hachem? Tout de suite, la première chose qu'il a fait, il a écrit une lettre à Rabbeinu. Il lui a dit, Rabbeinu, je souffre des souffrances, on se moque de moi. Vous savez, mes amis, dans la marloquette, il y a la marloquette qui est dure. Des gens qui te frappent, des gens qui t'insultent, des gens qui te crachent. Mais il y a plus dur que la marloquette. C'est quoi? C'est quand on se moque de toi. Rabbi Nathan, il a dit, quand on m'a volé mes habits, quand je suis rentré dans le mikvé et qu'on m'a volé mes habits et je n'avais pas de quoi comment sortir, là j'ai compris le encore plus grave que la marloquette, c'est quoi? C'est quand on te met dans une situation que c'est invivable, c'est pas possible. Malheureusement, les chassidim de Breslev, ils ont dû passer dans des endroits pareils pour rester comme il faut.
Et ben Rabbi Yehiel, il a été moqué, il a été craché, il a été. Mamash, ça lui a fait, ça lui a été très dur pour lui de souffrir la marloket. Et il raconte tout ça à Rabbeinu et il dit Rabbeinu, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Il n'a pas eu que ça dans sa vie. Hein? Il n'a pas eu que de la... Non, 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 bien sûr que non. Mais c'était juste au début, c'est-à-dire, c'est là, on parle du début, c'était dans son début. Et comme on va lire la lettre que Rabbeinu lui a répondu. C'est pour ça, par rapport à ça, c'est pour ça que je vous raconte toute son histoire, plus ou moins. C'est qui la lettre, c'est qui Rabbi Yehiel, le fameux Rabbi Yehiel, le contexte. C'est quoi la troisième lettre de Halim Letroufa, des lettres de Rabbeinu. Le contexte, maintenant vous comprenez un petit peu c'est qui Rabbi Yehiel. D'accord ? Alors déjà, on va voir comment Rabbeinu, il a la tâche, comment il écrit à son frère déjà. On va voir les mots. D'accord. Bezrat Hashem. Donc ça c'était quand? C'était Yom Bet Parashat Bechukotai. Parashat Bechukotai, c'était Yom Bet. C'était un lundi. D'accord. Un lundi Parashat Bechukotai. Bechukotai c'est quand mes amis? Fin de Vaikra. Fin de Vaikra, c'est-à-dire? Avant Pessah. Après Pessah. Avant Shavuot. Exact. Entre Pessah et Shavuot. Donc on est dans le même historique des deux lettres d'avant. Ça veut dire c'est quand qu'il lui envoie cette lettre? Quand Rabbeinu il est malade, quand sa femme est mourante et qu'il a avec lui que Myriam, sa fille, qu'il n'a pas un sou, vous vous rappelez qu'il a demandé qu'il a besoin d'argent, qu'il n'a pas d'argent et que tout ici ça coûte quatre fois plus, on avait lu ça, et Rabbeinu il est dans tous ses états, cette lettre elle vient chez lui. Léaouvi, Achi, Chavivi, Veyedidi. Aïe. On n'a pas la première lettre. Hein. On n'a pas la première lettre. Léa Ouvi, à mon amour. Achi, mon frère. Chavivi, mon bien-aimé. Veye Didi, mon ami. C'est quoi ces quatre phrases? Alors, on va en trouver plein. On peut faire plein de torot. Mais les lettres de Rabbeinu qui ont été écrites à sa propre main, on ne peut pas laisser stam. On ne peut pas. On est obligé de donner une explication. Alors déjà, Léa Ouvi. Achi, Chavivi, Veye Didi. Arabani, Amoufla. On a dit c'est quoi Arabani? Arabani c'est comme le Rav. C'est-à-dire c'est j'ai de qui apprendre de toi, ça veut dire. Amoufla qui est merveilleux ou Mouflag et qui est une aflaga. Une aflaga le grand, le beau, le puissant, le fort. Mouflag, il est Mouflag, il est merveilleux. Quelque chose comme ça. Chacham Hashalem. Le sage parfait. C'est pas Stam hein, qui dit. Morenu, Arav, Rabbi, Yechiel Tzvi, mon maître, le Rav, Rabbi Yechiel Tzvi, Nero, Yahir, Veyofia, que sa lumière éclaircie et qu'elle soit et propagée. Donc on voit ici déjà le lien entre Rabbeinu et Rabbi Yechiel Tzvi. Comment Rabbeinu, il essaye de ne pas se mettre plus haut que lui. D'où on voit qu'il essaye de ne pas se mettre plus haut que lui dans le mot Yedidi. Le mot Yedidi, c'est-à-dire mon ami. Mon ami, ça veut dire ne me regarde pas comme ton maître. Ça jamais aussi, ça avait été fait avant. Jamais. Jamais. À l'inverse. Normalement, c'est je réclame, c'est la lacha, c'est comme ça. Même Rabbeinu, il dit, il faut qu'il y ait un kavod, parce que grâce au kavod, je reçois de toi. Là, Rabbeinu, c'est spécial. Il dit à son frère, je sais que je suis ton maître. Je sais que tu ne peux pas sans moi. Mais, tu es mon ami. On se regarde au Todava. Je te laisse cette sensation. Tu peux me regarder, tu peux me voir aussi de temps en temps comme ton frère, comme ton ami. Je suis ton ami, pas plus haut, pas plus bas que toi. Même aujourd'hui, c'est que dans Breslev où il y a ce... Oui, mais pas avec Rabbeinu. Pas avec Rabbeinu. Quand on dit... Rabbi Nathan et Rabbeinu, il n'y avait pas ce... Vadaï, ça veut dire... Ouais. Ça veut dire quand ce qu'on dit... c'est entre nous. Si Rabbeinu il vient, tu te mets par terre, tu lui embrasses ses pieds tout de suite. Si Rabbi Nathan il vient, pareil. Rabbi Israël, etc. Ce sont des grands, mais nous entre nous, etc. Tu comprends, c'est pareil. Rabbi Israël lui-même il a dit à quelqu'un, il a dit tu m'appelles Rabbi Israël parce que maintenant je t'enseigne.
demain, moi, je vais t'appeler Rabbi Yitzhak, et c'est toi qui vas m'enseigner. Ça veut dire, Rabbi Israël, il te dit, ça change, c'est pas, mais Rabbeinu, c'est le maître, c'est le seul qui peut même recevoir du kavod. Lui, tu peux lui donner du kavod à fond la caisse, il n'y a pas de problème. Rabbeinu, il remet le kavod à Hachem, il n'y a pas de... Achi Chavivi, mon frère, mon bien-aimé. Igiani Mirtavo Po Zaslav. Ta lettre m'est parvenue ici dans la ville de Zaslav. Veayali Tsar Gadol Mise. Et ça m'a ramené une très grande. Non, pas souffrance, mais Tsar. Non, souffrance, c'est Sevel. Souffrance, tsahar, c'est un malheur. C'est tsahar. C'est quelque chose qui m'oppresse, qui m'attient. Ça me prègne, c'est imprégné. Ça me touche, ça me colle, ça m'a brisé, tsahar. Comment on il faut qu'on ait un translate comme ça. On sait. Non, bah, des petits mots qui sont simples des fois. Je peux l'avoir. Non, même pas vous. Non, Michel. Tsar Gadol, c'est une grande souffrance, on va dire. C'est pas exactement, mais on va dire c'est une grande souffrance. Rabbeinu, quand au sens physique. Pas au sens physique, exact. Voilà. C'est pas au sens physique. Rabbeinu, il dit j'ai eu une très grande souffrance quand j'ai reçu ta lettre. Il dit chagrin. Chagrin, c'est un bon mot. Chagrin, c'est plus Satsvout, non? C'est Yagon, on a dit, ouais. C'est... Bon, l'homme échané. Vayali Tsar Gadol Mise. De quoi il avait eu un Tsar Gadol, Rabbeinu? Er malou liba anashim areshaim aene. Comment ils ont osé ces reshaim, ces mécréants là, vehezupeneem, et qu'ils ont eu l'audace, l'effronterie contre toi. Kolkach nekdecha. Vetameani, et je suis étonné. Comment il n'y a pas autant de bon que le mal qui t'ont fait. Ça veut dire normalement quand il y a du mal de fait, alors normalement il doit avoir à côté des gens qui sont pour lui. Ça veut dire Rabbi Yechiel Tzvi, il a on va dire 30 personnes qui sont contre lui. Alors Rabbeinu il dit comment c'est possible que dans ces 30 personnes là il n'y a même pas 30 personnes qui sont de ton côté. Ça veut dire, le mal et le bien, il n'est pas équivalent. Comment les gens ne voient pas, ils se battent pas contre le mal qu'ils te font? Comment le mal, il est aussi... le bien, il est aussi éloigné de ce qu'il doit être? Qu'est-ce qu'on parle là? Qu'est-ce qu'il y a écrit là, mes amis? C'est quoi cette petite phrase que Rabbeinu... Déjà, Rabbeinu, ce qui est très intriguant, c'est que Rabbeinu, il appelle des gens Rechaim. Il les écrit des Rechaim. Et c'est qui dit ça? C'est l'auteur de Azamra. L'auteur du bien, du bon, de la justice qui est que bonne. Le mal n'existe pas. Lui, il dit, comment ces Rechaïm-là, ils ont osé te faire du mal? Parle de juifs. Ben oui. C'est Vadaï. On peut dire qu'à cette époque, il n'avait pas encore atteint la... Non. Sors de chez toi. T'as raison dans le historique, mais l'homme qui va dévoiler ça, il faut qu'il a en lui déjà une écouda très forte de Azamra. Donc on peut pas dire qu'il était ignorant totalement de Azamra. Tu comprends? Il faut qu'il ait du tov en lui tellement grand que Bémet, c'est ça. Donc c'est pas possible que Rabbeinu... Moi une fois j'ai déjà dit sur quelqu'un que c'était des rachats. Non, c'est une grande question, mes amis, ici. C'est quoi le... C'est une grande question. Comment c'est possible? On est les opposants. Celui qui voit le tzadik, Alors voilà. Alors déjà... Ouais. Tu comprends pas la question. Dans Azamra lui-même, on ne te dit pas de supprimer la Rishut. La Rishut, elle est là. Ça veut pas dire qu'il... C'est pas parce qu'il constate que c'est des Rechaim qu'il ne peut pas aussi constater qu'ils ont des anecdotes. Non, mais... Filou, Michou, Racha, Kamour. Non, mais quand tu dis sur quelqu'un Racha, d'accord, Rabbeinu, il dit, quand tu vois un homme qui a fait quelque chose de mal, alors regarde les points positifs qu'il a. C'est ça qu'il dit Rabbeinu. Cherche des points positifs qu'il a, lui ou moi, d'accord? Rabbeinu, il dit, surtout, ce qu'il ne faut pas, c'est de juger la personne. D'étiqueter. La doune.
Surtout, ce qu'il ne faut pas, c'est la doune, de le rendre rachat. Ouais. Là, Rabbeinu, pas il le rend, pas il le donne, il l'écrit. Ouais. Et il écrit à l'éternité dans le allume les troufards. Ouais. C'est pas la doune, ça, ça c'est la doune, c'est tout, tout, tout. C'est un psaque d'Intora. Ouais, mais c'est vrai, quand il écrit à Filou, Racha Gamour. À Filou, Racha Gamour. Donc, on parle bien des gens Racha. D'accord. Donc, c'est le même principe. Racha, Racha. Alors, il a réprimandé plusieurs fois des Là, c'est nommé. Là, c'est nommé les gens. Là, tu les nommes. C'est un concept général. Donc, ça renforce. C'est un groupe, il donne pas de nom. Non, il parle en théorie dans un mot. Mais c'est là, il les accuse, entre guillemets. Alors en vérité, c'est pas une question. Ouais. Moi, je vous ai posé la question pour rhétoriquement. Mais en vérité, c'est pas une question, Bémet. C'est quoi la réponse? Mais le problème, c'est que les gens ne font pas attention. Vous savez comment Rabbi Nathan il appelle Azamra dans le Likuta Alachot, celui qui veut voir dans la paracha de Rukat. Regardez le premier Likuta Alachot de la paracha de Rukat. Rabbeinu là-bas, il parle de la paradouma. Rabbi Nathan. Et il dit, Rabbi Nathan, que la para aduma, c'est le secret de Azamra. Et il dit là-bas quelque chose de très fort. Il dit, la para aduma, elle avait quelque chose de spécial. C'est quoi? C'est que quand le Kohen, il enlevait l'impureté de l'impur, son impureté revenait chez lui. Et Rabbi Nathan, il pose une question, on n'a jamais vu un truc pareil. Que le Kohen, celui qui rend, lui-même, il prend ça. Il dit, Rabbi Nathan, dans Azamra, il faut faire très attention que l'impureté du rachat ne revienne pas vers toi quand tu ne sais pas faire Azamra comme il faut. C'est-à-dire quand tu prends, par exemple, un vrai grand rachat. D'accord ? On va prendre un exemple. Hitler. D'accord ? C'est pas un bon exemple, mais... Oui, mais je ne sais pas comment... Shabtai Tzvi, on va dire. Si on prend, par exemple, Shabtai Tzvi et on veut faire Azamra, pourquoi pas? Afilou Racha Gamour, il y a écrit Racha Gamour, on va faire Azamra. C'est comme ça que Rabbeinu y veut. Rabbeinu dit, là, si tu te mets dans des endroits comme ça, des certaines personnes, c'est une possibilité que son mal à lui, en le jugeant toi du bon côté, il vient sur toi et il te bouffe et il t'anéantit. C'est qui ces gens-là, il dit Rabbeinu? Ce sont les gens qui s'éloignent de la vérité. Et quand on leur dit la vérité dans la face et qu'ils s'éloignent de la vérité. Beaucoup de gens, là. Non, pas beaucoup, pas beaucoup. Quand tu dis, non, c'est... En Israël, il y a une vérité, par exemple. Il y a plein de gens qui connaissent la vérité. Mais quelle vérité tu parles? On parle pas maintenant de la Doar ou de la banque. Non, on parle dans la voie d'Atachem. Non, alors, non. Qu'est-ce qu'ils font? On va pas rentrer dans ça. Okay. Rabbeinu, il dit, mais Fourash Rabbi Nathan. Ça, c'est dans le Likuta Alachot, Ilhot Nezikin. C'est un Likuta Alachot très important de Azamra, qui explique, il donne deux catégories que sur eux, on fait pas Azamra. C'est que le tzaddik qui peut faire Azamra. Nous, on n'a pas la possibilité de faire Azamra sur eux. C'est des catégories qu'on peut nous capter, c'est quoi? Ouais, simple. Celui qui ne veut pas recevoir la vérité quand on lui donne la vérité en face de ses yeux. On parle de quelque chose de flagrant, on veut dire. Quand on te prouve, on te dit, regarde, c'est écrit, il a dit. Il a dit, si tu viens à Ouman, etc. C'est pas une preuve. Non, mais il a dit, c'est une Emunat Rachamim, Alpia Alacha. T'es obligé d'avoir la Emunat Rachamim. Alpia Alacha, t'es obligé de croire. Hein, tzadik, quand il te dit quelque chose. Alpia Alacha. Mais s'il pense que d'autres sont tzadikim et que les d'autres, ils disent de pas y aller. Eh ben, personne n'a dit qu'il faut pas aller. Tous les autres, ils ont dit qu'il faut aller. Non. Si. Il y a plein aujourd'hui qui disent qu'il faut pas. Il n'y a pas plein qui vont pas. Il n'y a pas plein qui vont pas. Personne. Non. Il y a peut-être un ou deux qui disent et c'est les gens qu'on connaît pas. Non, aujourd'hui, n'importe quel mec avec une barbe, il va te dire, non, c'est pour les allumer. Non, on parle des vrais, on parle pas des jeunes. Mais les mecs qui ne vont pas, ils pensent que c'est des... Non, mais Chané, il dit pas de ne pas y aller. Il dit pas de ne pas y aller. Il dit pas de ne pas y aller. Ouais, il dit pas à sourd. L'homme est Chané, quand quelqu'un, tu lui fais montrer le tikkun akali, c'est tikkun et gam abrit. Et tous les tzadikim, ils ont dit ok. Et tu fais montrer ça à quelqu'un, et il dit, bon, moi, je crois pas en ça. Et cet homme-là, tu lui donnes la vérité en face de ses yeux, et il s'en va. Et le deuxième, c'est le Messie Toumédiar, celui qui se conduit pas comme il faut, et qui l'entraîne les autres aussi à deux pas. C'est-à-dire, il entraîne aux autres de dire, ne venez pas chez le tzadik, n'allez pas chez le tzadik, faites des fautes. Tout par rapport à... On fait quoi avec ces gens-là? On ne doit pas chercher une écoute d'autres. Non, quand tu vois ces gens-là, vaut mieux aller dans un autre trottoir. Avoir aucun contact avec eux. Ah, il y en a beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'on va dire que c'est des riches. Non, chas v'shalom, jamais. Jamais, jamais.
Non, ce que j'ai dit, ça correspond à vraiment. Alors oui, alors. Il n'y a rien de juste derrière, soit neutre. Ils ne sont pas trop avec. Ouais, cherche pas. C'est très bien, il n'y a rien à faire, quoi. Tu passes à côté. Exactement. On ne va pas juger là-haut de ne pas avoir agi. Voilà. Voilà. Exactement. Et toi, en le jugeant du bon côté. Mes amis. Pourquoi on doit juger Azamra, mes amis? On doit faire Azamra parce qu'il dit, rappelez-nous, que quand on juge du bon côté la personne, c'est le fait que tu l'as jugé du bon côté qui va le ramener Bitchouva. Comme ces gens-là, c'est très dur de trouver le point positif. Donc quand toi tu vas leur trouver du point positif, en fait c'est lui qui t'avale. Comment tu fais? C'est pour ça. Vaut mieux se mettre dans un autre trottoir. Mais maître nous a demandé aussi de chercher, de prier. Pour toi. Pour toi et pour tes amis autour de toi. Pour les autres. Pour les autres. Ceux qui sont faciles à faire. Mais ceux que tu ne peux pas faire. Tu es prêt à mettre ta tête dans la gueule du lion. Mais dis que si tu fais Khejbon Nefesh, ça te protège de ça. Je ne comprends pas. C'est pour les conseils, non? C'est pour les conseils, tu renforces quelqu'un. Ça te protège des clipotes des autres. Ok. Ça brûle les clipotes. Tu voulais dire quoi, Emmanuel? Non, mais ces gens-là, même s'ils ne disent pas que c'est des réchaïms, ils disent que c'est des réchaïms. Alors ça parle de quoi, Azamra? Parce que qui tu parles? Il dit pas, même si ton ami c'est un rachagamour, juge-le du bon côté. Ça c'est facile. Non, mais quand tu écris dans une lettre et il dit pas que sur une personne, il dit toutes les personnes qui t'ont fait du mal, ce sont des réchaïm. Réchaïm ha elle. Ça veut dire, on va dire, on pourrait, je dis rien, je mets un point d'interrogation. C'est non, quoi cette réflexion? Je ne parle même pas dans la lettre, par rapport à ce que tu as dit là, il frotte mes équipes, je crois. Ouais. Si tu vois quelqu'un comme ça qui est trop dangereux, rentre pas dans Nahon. Nahon. Ça commence à Zamora. T'as le cas à Zamora, c'est pour des cas de fous comme ça. Mais pas du tout, c'est pour tous les cas au monde. Non, c'est pas encore plus. D'abord, le but de Zamora de base, d'abord, c'est toi, le but de Zamora. Non, ça veut dire c'est déjà ça le but. Tu démarres pas par toi dans le droit. Deuxièmement, c'est pour tes amis, ta femme, tes enfants, ton beau-père. Ton patron, juger, c'est sans parler avec cette hiérarchie. Oui, même juste. C'est ton point. T'as un toit, t'es pour le point. Et après, c'est un escargot. Où c'est écrit dans le Likoutei Moharan que c'est que pour des gens super. Pour celui que tu as plus d'interaction avec. Ton travail, c'est d'abord renforcer ton équipe, tu rapportes ton noyau. C'est dangereux juste de le faire. C'est ta team d'abord. Moi, j'avais l'impression que justement, le Tzadik, il a besoin de. Non. Il a besoin de rien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, Emmanuel. Des fois, on perd la tête. Un jour, Rabbi Israël a dit Rabbeinu, lo tzarich, afechad. Afechad. Misherotze, iske. Rabbeinu, il peut ramener la Géoula, le Tikkun HaOlam dans le monde en entier sans personne. Il a besoin de personne, Rabbeinu. C'est un cadeau qui nous fait qu'on participe à quelque chose. C'est un cadeau netto. C'est pas. Il y a certaines fois, il y a une phrase que Rabbeinu, il a dit moi, vous sans moi, vous pouvez pas, mais même moi sans vous, je peux pas. Et ça existe, ça aussi. Mais de base. De base, tu comprends? Nous fait participer par Chesed. Voilà, c'est de la miséricorde. Et donc, c'est pour ça que dans Azamra, on te dit si tu vois quelqu'un, prie. Non. Bah, prie, recherche, etc. Rabbeinu, il dit si tu vois qu'il y a un. Est-ce que tu as envie de le juger du bon côté ou est-ce que tu as envie de la Dounoto les Gafrova? Non, mais. Le concept de Azamra. C'est que tu puisses arriver à le mettre dans le tov. C'est ça le concept. Sans lui parler ou lui parlant? Sans lui parler, même. C'est surtout sans lui parler. Si tu lui parles pas. Parce que quand tu vas faire Azamra, au lieu que c'est toi qui vas lui trouver du tov, tu donnes ton tov à lui et lui t'avale, toi. Récompensant. Parce que c'est quoi Azamra? Tu vas dans son chemin. Tu essayes d'aller en lui, de trouver en lui. Donc en fait, tu vas rentrer dans sa bulle qui est effrayante. Tu vas être envoûté là-bas. Mais c'est pour ça que c'est pas ce qu'il y a écrit. Mais est-ce que c'est... Alors, il te dit pas de trouver d'abord. Il te dit d'abord, tu dois prier et demander. Là-bas, il parle
Surtout. D'abord, tu dois avoir un ratio. C'est d'abord sur. Mais. Mais il n'y a pas un dibourg qui dit que quand tu es merachem sur quelqu'un qui est arzari ou tu deviens arzari. Ouais, c'est la Gemara qui dit ça. T'as qu'un choix à ça. Non, parce que la Zamra, c'est pas de la Rahmanout. C'est une avoda qui est spéciale. C'est pas que de la Rahmanout à Zamra. Le tzaddik, il connaît, il c'est sait faire la différence. Il prend notre problème, c'est qu'on doit trouver le tov du Ben Adam. Et le tov, il dira ben nous, c'est la Elokout, c'est le divin d'Hachem. Et comme le divin d'Hachem, chez des Rechaïm, il est super caché, super caché, moi, je peux en fait trouver un point qui, à mes yeux, est bon, mais qui, en fait, il est horrible. Horrible, d'accord ? Comme on raconte sur le Shpol et Zaydé, que le Shpol et Zaydé, il faisait plein de tzedakot. Il était un géant dans les tzedakot. Et Rabbeinu, il a dit, c'est ces tzedakot-là, en fait, qui réveillent des choses pas bien. Maintenant, moi, de dehors, je vois... Ça, je dis, oh, quand même, un Nekuda Tova. Ce que tu sais pas, c'est que c'est pas du tout ça, en fait. C'est pas du tout ça. C'est dangereux dans l'autre sens, maintenant. Oui, mais c'est... C'est dangereux parce qu'on a plus envie de faire Azamra, parce que c'est ça devient dangereux. Alors, maintenant, Azamra, on va dire, c'est d'abord appliquer Rabbeinu. Nous, on regarde ça comme si on est des tzadikim, Emmanuel. C'est pas comme ça qu'on doit regarder Azamra. De chercher, de prier pour... Etc. Attends, Azamra, c'est d'abord un conseil pratique, d'abord. Ok, d'accord. Non, ne dis pas ok, d'accord. Au final, le rachat, c'est le rachat. Ça, au final, ça tombe toujours comme ça. Rabbeinu va s'occuper de lui. Moi, je ne peux pas m'occuper de lui. Mais alors, pourquoi il nous demande aussi de prier pour ça ? Rabbeinu, il ne demande pas de prier pour ça. Il ne demande pas. Regarde bien dans la Torah, tu verras que Rabbeinu ne demande pas. Oui. Zéou, il n'y a pas écrit de prier. Dat tarir. Tarir, la donne, et quoi d'amé kazrou. Va filou michou rachat gamou. Et après, sur toi, veille rapet, si elle va cache. Alors, à moi, c'est quoi ? C'est juste, tu t'arrêtes à dire. Ouais, mais ça, le problème, c'est un bruit, mais bon, je sais qu'il a. Non, un Zamra, c'est un chidouche. Un Zamra, c'est un chidouche qui n'a jamais existé au monde, c'est quoi ? C'est que, à Zamra, il te dit, le mal n'existe pas, c'est que le bien qui existe. C'est juste que toi, tu peux pas l'atteindre. C'est que le tzadik qui peut l'atteindre. Mais sache, au plus profond de toi, que le tzaddik, il peut le ramener qu'en lui trouvant du bien. Toi, tu le vois mal, mais en fait, il est bien. C'est ça que ça veut dire, la Zamra. De toute façon, il dit là-bas, à Filou Miché Rachagamour. Tu sais déjà que c'est de base quelqu'un que tu ne peux pas. Oui. Que c'est Rachagamour. Oui, oui. Donc, comment tu fais à Zamra si de toute façon, dans Azamra, c'est marqué que tu ne peux pas faire ce qu'il te demande de faire puisqu'il est déjà Rachagamour. On a dit qu'il n'y a pas de problème pour un Rachagamour. Un Rachagamour, on doit le juger du bon côté. On parle là d'une autre catégorie. Là on parle qui est Boréach Mina Emet. C'est pas pareil. Un rachat c'est mignon à côté en fait. Un rachat c'est mignon à côté de celui qui est Boréach Mina Emet. Oui. En fait c'est quelqu'un qui ou Nira Tzadik parce qu'il étudie et qu'il a la Torah, etc. Mais le Emet, qui est le Emet de Rabbeinu, il est contre. C'est pas le Emet d'Afka de Rabbeinu. C'est que un homme qui ne veut pas s'annuler à la vérité quand il sait que c'est la vérité. Mais il ne. Oui, il sait. On parle de. Non, c'est-à-dire qu'il sait. Oui. Quand... Je veux pas savoir ce qu'il sait, le mec. Si. Il y a des fois que tu sais très bien. Mais on parle de quelqu'un que t'es venu, que t'as parlé. On parle pas de quelqu'un. C'est pour ça que j'ai pris le Shabtai Tzvi. Prends le Shabtai Tzvi, par exemple. Lui, c'est officiel, il a dit. Voilà. C'est pas que c'est officiel, on voit à travers les histoires qui s'est passé. C'est pour ça que. Robin, t'as dit qu'il y en a beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, Bémet. Des gens. Que Béhémeth, ils savent la vérité et qu'ils font des chormotes ou alors qu'ils essayent de décortiquer quelque chose. C'est Messit ou Médiar, celui que non pas, qui ne veut pas recevoir la vérité, mais qui l'éloigne les personnes de la vérité. Bien sûr, Jatatvi, il a fait tomber tous les tzadikim de sa génération, tous. Et même le Baal Shem Tov, il est mort à cause de ça, il dit Rabbeinu. Hein ? Ouais. Mais c'était des tzadikim amitim. Des tzadikim amitim. Maintenant, toi, tu veux demain prendre le Shabtai Tzvi et faire Azamra dessus. Tu dis Makara. C'est écrit mes fourrages dans Rachagamour. Là, on vient, on te dit, mais tu sais pas ton travail à toi de faire ça. Fais les gens qui sont dans ta vie, autour de toi, qui ont une hache pas contre toi, que leur vision, leur regard. Je dis pas demain, je vais aller m'amuser à faire ça. Je dis juste,
Alors, si c'est théoriquement, alors ça sert à rien. C'est pas que ça. On peut pas sur Chaptaï Smith. Non, c'est pareil. Bah non, pourquoi ? Pourquoi ? Les nazis, ils savaient pas la vérité. C'était des pions. Tu sais qu'ils pouvaient faire un sur un Malek. C'était des pions. Bon, on va pas rentrer dans le détail. Mais dans l'idée, la catégorie, c'est ça, c'est ce qu'on a expliqué. C'est, la catégorie, c'est quand tu montres la vérité à quelqu'un et que tu ne le reçois pas. Connaître sa place, tu comprends. Le problème, c'est que nous, on veut aussi trop se transposer par Rabbeinu. Voilà. On ne connaît pas notre place. Déjà, Zamra, sur nous-mêmes, on ne fait pas comme il faut. On va super loin, les amis. Est-ce qu'il faut faire Kaddish C'est bien de faire Kaddish ou pas, mon père? Oui, c'est bien. On est mignon, là, Kaddish. Parce qu'après, il s'en va, on ne sera pas 10. Attends, il faut attendre. Attends, mais, mais on n'arrête pas un cours pour un Kaddish. Ouais, c'est, ça fait, ça fait ouais, l'inverse. Okay. Vaut mieux continuer. Et c'est, si, c'est... à Mignan, on fait. Okay. D'accord, alors maintenant. Alors maintenant, ce qui se passe, mes amis, alors venez, on avance. Alors maintenant, c'est quoi que je veux vous faire montrer? Pourquoi il a dit Réchaïm? Comment il a écrit à Réchaïm à elle? Alors, il faut savoir une chose, mes amis. Il n'y a pas plus grave au monde quand on est contre le tzaddik. Le tzaddik. Le premier qui est écrit dans la Torah, c'était Korach. Korach, c'était un tzaddik, un Raché Sanhedraot qui s'est opposé à Moshe Rabbeinu. Avec toute sa grandeur, avec toute sa tzidkout, qui était le Kohen Gadol, qui était tout, mamash. Du moment où il s'est mis de l'autre côté de Moshe Rabbeinu, il a charat et dino. Il a tranché sa... Le premier, mamash, on peut dire aussi que c'était les frères de Yosef. Mais eux, la différence, Yosef n'était pas encore décrété comme tzaddik. Moshe Rabbeinu était décrété, choisi par Hachem déjà. Et il a reçu la Torah, il a tout donné. Donc là il n'y a pas de... Mais t'as raison, les frères de Yosef aussi, ça commence par là-bas. Ils ont fait Teshuva. Mais Korach, mes amis, Korach, il est. Il a vu Moshe, c'est Korach. Mais nous, quand on lit la Torah, on croit que Korach, comme ce que je t'ai dit au début du cours, quand on lit la Torah, on croit que Korach, c'était un rachat. Korach, c'était pas un rachat. Rabbi, si tu veux aller plus loin que ça, Rabbi Nathan, il écrit Korach dans Shemot HaTzadikim. Ah, j'étais choqué. Eh oui! T'imagines de quoi on parle? Mais parce que il s'est mis du côté de, à l'envers de Moshe Rabbeinu, il a tranché son là où il est, qu'est-ce qu'il est. Et ça, mes amis, quand on est contre le tzaddik dans le ciel, on ne peut pas avancer sur ça. Et comme Rabbi Yechiel, il fait partie des petits enfants du Baal Shem Tov, quand tu t'opposes et tu fais plus que cela. Sur Rabbi Yechiel, tu deviens un rachat. C'est un rachat. Tu dois avoir un minimum de respect, de kavod, par rapport au petit-fils du Baal Shem Tov, et surtout quand il voit que tu es un Oved Hashem. Aouvi, Ahi, Nafshi, Ulevavi. Mon amour, mon frère, mon âme, mon cœur. Al Tira ve Al Techat. N'aie pas peur. Et ne craigne pas, ne leur craigne pas. Ne crains pas. Mes amis, le premier conseil que Rabbeinu il donne à son frère, et le premier conseil que Rabbeinu il nous enseigne, qu'est-ce qu'il faut faire quand un homme est dans un vrai problème? Le premier conseil que Rabbeinu il dit, d'abord, c'est n'aie pas peur. N'aie peur jamais. Rabbeinu il était contre ça. Nous, les chassidés Breslev, et ceux qui veulent être zoré, on doit avoir peur de rien. La règle du jeu, c'est de ne jamais avoir peur. Même dans la Avodat Hashem, des fois, on a peur. On a peur de ne pas être Yotzeye de Chova. On a peur de nos fautes. On a peur de ne pas réussir. On a peur de ne pas arriver à faire. Le Itbo des doutes, le Seder. On a peur de... N'aie pas peur, il dit Rabbeinu. Le fait que tu as peur, ça te rend faible. Marche comme un homme, même s'il y a des possibilités de tomber ou de... N'aie pas peur, n'aie pas peur. Rak, Razak, Vehematz, juste, sois fort et courageux. Dans quoi? Betora ou Beirat Hashem, Kolayom. Sois fort dans ton Avodat Hashem, dans la Torah et dans la Yirat Shamaim, Kimdubar ben Shnenu, comme je t'ai enseigné. Rabbeinu a parlé à Rabbi Yechiel, il lui a fait faire comprendre qu'il doit arrêter de travailler et qu'il doit se mettre dans la Torah et dans la Yirat Shamaim
toute la journée, toute la nuit, tout le temps, toute sa vie. Alors il lui dit, continue à faire, sois occupé dans la Torah. Tu sais, il dit Rabbeinu, comme quand on n'est pas occupé de la Torah, alors tu as le temps de sortir dehors, et quand tu sors dehors, c'est là qu'on te fait des marloquettes. Ne sors pas, reste à la maison, étudie la Torah, c'est ça ton avodat Hashem, toute la journée. Uzrut avotecha mesayatra. Je suis sûr que le mérite de nos parents, elles vont t'aider. C'est qui le mérite de nos parents? Le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman Oro Dunker. Mes amis, il faut savoir que Rabbi Nachman, il donnait une importance à Rabbi Nachman Oro Dunker presque pareil que le Baal Shem Tov. C'est pas... Ah, c'est son grand-père déjà. Non mais, mis à part, il est... Nahon, mais ça veut dire Rabbi Nachman Oro Dunker, c'est pas juste un élève du Baal Shem Tov. Il est super haut gradé, le Rabbi Nachman Oro Dunker. C'est le, comment ça s'appelle en le, il avait toutes les clés de la maison du Baal Shem Tov. C'est plus que le chômage. Il lui donne toutes ses clés. Ça veut dire les clés de la. Là, on met l'argent, ça c'est du coffre-fort. Les écrits du Rabbi Adam Baal Shem, des anges et tout ça. Tout il avait dans ses mains, Rabbi Nachman Oro Dunker. Quand il vit, c'était pas stable. La dernière fois, j'ai pensé que Rabbeinu, si on devait lui donner un nom de famille, ça serait aussi au Rottenker, en fait. Alors non. Bah, c'est le fils du... Oui, mais Rabbeinu, on dit qu'il avait deux... Si c'était deux noms. Ou alors Breslavski. Ah, ouais. Ou alors Umansky. On sait pas. En fait, c'est toujours par rapport à une ville. Exact. Breslavski. Rabbi Nathan, c'était son nom, Sternhardt. C'est quoi? Ça veut dire Kochavlev. Donc c'est pas une ville. Non. Il n'y a pas de nom de famille à cette époque. Shterenhardt, c'est un vrai nom de famille. Quand même chez les Hasidim aujourd'hui. Non, il y avait quelques noms de famille. Il y avait Chazan, il y avait Shterenhardt. Rabbi Nachman de Tcherin, c'était Rabbi Nachman Goldstein. Rabbi Israël, c'était Alperin. En fait, si ça se trouve, Rabbi Nachman de Tcherin, il avait un autre nom de famille qu'on connaît. Peut-être. Alors là, il lui dit à Rabbi Yechiel, je suis sûr, n'aie pas peur, je suis sûr que le mérite de nos parents, de Rabbi Nachman Oro Dunker et du Baal Shem Tov, ils vont t'aider. Il n'a pas fait de chassidoute, surtout Rabbi Israël Oro Dunker. Non. Rabbi Nachman Oro Dunker. Non. C'est l'un des rares, quand même. Ouais. Parce qu'ils ont tous fait. Ouais. Ouais. Non, rien. Moi, j'allais quand je t'ai fait là. Ah. J'allais tous les vendredis au bottle de Laurent Donga, il s'appelle Laurent Donga. Ouais, alors lui, c'est un Admour qui s'est proclamé Admour, voilà, mais ça veut dire son père, son arrière-grand-père, aucun rapport. Ouais. Il vient quand même de... Ah oui, c'est aussi le Nechad. Il y en a beaucoup des Nechadim, il y en a beaucoup. Ah, ouais. Mais son bras, c'est l'Abedin d'Anvers. Nahon, il est connu. C'est un donateur, il est gentil, il est connu, Nahon. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les Admourim d'aujourd'hui, on cherche dans le Dapezav les villes qu'il y avait en Ukraine, et si on voit qu'il y a une ville qui n'a pas été prise, ça devient le... Ah ben, c'est comme ça, malheureusement, c'est comme ça aujourd'hui. Avec un Freiman différent. Voilà, un peu plus grand, des périodes plus longues, etc. Chas v'shalom, je ne veux pas parler sur personne, mais ça veut dire on pleure, on doit pleurer. Malheureusement, comment c'était à l'époque, comment c'est aujourd'hui, c'est une blague. C'est une vraie blague aujourd'hui. Et là, mes amis, laissez-moi vous apprendre. C'est dommage, on n'a pas beaucoup de temps et il faut arrêter de parler, mes amis. C'est juste la fin. Regardez, c'est un limoud. C'est le premier limoud que Rabbeinu il nous enseigne dans le Likouté, dans avant tout. C'est une lettre qu'il a écrite de ses propres mains et il lui donne un enseignement très fort et très puissant pour nous tous. Qui colze les gadel otra. Tout ce qui t'arrive, c'est pour te faire grandir. C'est ce que j'ai dit à mon fils. Quand il a eu ce qu'il a eu, et il m'a posé la question, il m'a dit comment c'est comme ça, comment je souffre, comment j'ai des souffrances, et pourquoi ça m'arrive, et etc. Et moi, je savais pas quoi lui dire. Mais quand je me suis rappelé de cette lettre qu'on est en train d'étudier, mes amis, il faut savoir une chose, tout ce qui nous arrive dans notre vie, des malheurs qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas comprendre, et qui t'arrache ta peau, colze les gadel otra, c'est pour te faire grandir. Ou l'arbot kvotra, ou les gadel sikhlecha. Ça va agrandir ton honneur, le respect que les gens ils vont avoir autour de toi, et ça va agrandir ta perception, ton niveau de conscience, ton niveau de compréhension. Mes amis, un homme qui en passe dans sa vie, il a plus de tenue, il a plus de... Comment ça s'appelle, Ménoussé ? D'expérience. Il a de l'expérience. C'est pas pareil, hein, monsieur. Toute notre génération, là, maintenant, qui sont revenus de la guerre, il y en a un paquet.
ça sera plus les mêmes que ceux qu'ils étaient au début. Au début, c'était des petits qui faisaient des selfies, etc. Et là, ils sont rentrés comme ça, ils sont rentrés dans la guerre, ils sont devenus des hommes. On leur a fait montrer une facette de eux que c'est des guerriers. Quand ils retournent, c'est des hommes. Tous les petits jeunes, avant l'armée, c'est des petits jeunes nuls. Et dès qu'ils vont à l'armée, ils reçoivent des tannées. Ils commencent à se devenir... Pourquoi ? C'est parce qu'il en passe, parce qu'il brise, parce qu'on le brise. Maintenant, imagine-toi. Moi, j'ai dit à mon fils, regarde, bientôt, tu vas sortir de cette épreuve. Et si tu vas pas trop râler, tu pourras dire, il m'est arrivé ça, il s'est passé comme ça, il y a eu comme ça, et je suis en sorti avec le sourire. C'est pas quelque chose d'énorme. C'est énorme. Tu te dis, c'est derrière moi. Je l'ai affronté, je l'ai gagné. Un homme, chas v'shalom, qu'il est malade de la maladie ou quelque chose comme ça. Et il a réussi à se battre, à tenir pour rester en vie, pour rester en... Un homme comme ça, il est plus pareil après. Il dit, Rabbeinu, ici, sache que tout ce qui t'arrive, en fait, c'est pas chas v'shalom des punitions, c'est pas des malheurs, c'est pas pourquoi Hachem, il me fait ça. Il y a une seule raison, c'est parce que c'est de cette manière que tu grandis, que tu pousses, que tu te fortifies, et que ton cerveau, il se grandit. Et là, Rabbeinu, il dit une phrase énorme. Qui kemo she'i efshar lechol mine zeronim. La vol et tachlit gidulam, de la même manière que quand on prend une semence, comment la semence, elle devient un arbre fructifié? Et là, tchenotim mitrila agarim ba'afar. D'abord, il faut prendre la semence, il faut l'enterrer. Tu prends la semence et tu l'enterres. Mes amis, c'est qui qu'on enterre? C'est un mort. Ça veut dire que si on veut faire sortir de toi quelque chose, on va t'emmener dans une situation que tu crois qu'on m'a enterré. On m'a enterré, là, on est en train de m'enterrer. Et tu crois qu'après qu'on va te faire sortir de la terre? Non. Et là, la semence, elle commence à pourrir. Et là, tu sens que toi, tu pourris dans ta vie. Tu sens que tout se passe mal, que ton foyer, il est foutu, que tes enfants que tu as fait grandir, ils ont mal tourné, que ta parnassa, tu peux pas changer. Tu te dis, c'est foutu, je ne peux, il n'y a plus rien qui peut se passer de bien. La semence, elle est en train de pourrir dans la terre. Il y a plus grave que ça. Ve'achar beloto, mais par miracle, il y a un miracle qui se passe. Au moment où elle a pourri comme il faut, Ifrar ve'yatsits va commencer à se réveiller une toute petite branche qui va s'enraciner dans la terre, qui va essayer d'aspirer la sève qu'il y a dedans, et une petite, comment on appelle ça, une sève, va pousser une autre sève, et une autre sève, jusqu'à que une petite fleur va lever, et au moment où il y a une petite fleur qui a levé, c'est l'espoir du monde, car si une fleur s'est réveillée, c'est qu'il y a un futur énorme. C'est ce qu'il dit, Issa Rabbeinu. Si vous voyez une chose de bien en vous, c'est qu'il y a un espoir énorme, c'est que le chemin, il est là, en face de chez vous. Donc il dit, Rabbeinu, toi tu crois que tu souffres, mon frère, Rabbi Yechiel, tu souffres. Mais sache une chose, si tu veux pousser, si tu veux grandir, si tu veux fleurir, si tu veux luminer, tu es obligé de passer par ces chemins-là. Venaase Ilan Gadol, et si tu vas tenir, tu vas devenir un très grand arbre. En plus, avant tout Bishvat. Ken Adavarazé. De cette manière-là, c'est ce qui se passe avec toi. Chalier des Echemashpili, notre Adafar. Le fait qu'on te rabaisse jusqu'à la terre, c'est-à-dire apparemment, ils l'ont rabaissé et re-rabaissé, le fait qu'on te rabaisse sur la terre, c'est-à-dire on te piétine, on te mévasé, autre, comment on dit? On t'humilie. Allez, des é, tit gadel, vetatsits, vetifrar baolam, grâce à ça, tu vas grandir, tu vas faire sortir des branches, et tu vas fleurir dans le monde. Ilou ayu yodin. Si ils auraient su, Eloua Rechaim, ces Rechaim-là, misaient que le fait qu'ils te font du mal, en fait, ils t'agrandissent, ils te font pousser, mais vadaï là, yume vas-y, notre, c'est certain qu'ils t'auraient pas fait des humiliations et des hontes. S'ils auraient su, ces Rechaim, le bien qu'ils te donnent, qu'ils te font, en te faisant du mal, jamais ils t'auraient fait ça. Qui colle kavanatam lara, car eux, tout ce qu'ils ont voulu faire, ils ont voulu faire pour le mal. Mais s'ils auraient su le bien qu'ils te font, jamais ils t'auraient fait ça. Si on peut le voir dans la clale. Mais vadaï. Ce qui se passe aujourd'hui. Vadaï. Aussi. Nachon. C'est certain, vadaï. C'est certain. Mais là, c'est particulier. Ça veut dire, des fois, toi, quand t'es dans le problème, tu peux pas ressentir ça.
Parce que t'es en train de souffrir, tu peux pas supporter le monsieur, tu te dis, monsieur, là, je vais. Il dit, Rabbeinu, calme-toi. D'abord, n'aie pas peur de lui déjà. N'aie peur de personne déjà. N'aie peur de personne. Jamais n'aie peur de personne. Il n'y a que de Dieu qu'il faut que tu aies peur. Premièrement, n'aie peur de personne. Deuxièmement, sache une chose, tout le mal que tu es en train de faire, en fait, on est en train de te mettre très profond dans la terre. On va t'écraser encore et encore et encore et encore. Toi, juste tiens. Tiens le plus fort possible. Tiens, tu sais pourquoi? Parce que plus on t'enfonce, plus tu vas pourrir. Et quand tu vas pourrir, la Bria Hadasha, la nouvelle existence va pousser, va sortir de toi. Et tu vas sortir de ton cocon, tu vas te métamorphiser, comment on dit? Métamorphiser. Ça veut dire que tu vas changer totalement de ta... Est-ce qu'on a compris ce petit concept qui est énorme et qui est fabuleux? C'est extraordinaire. Hein? C'est un grand concept, Robin? C'est-à-dire? C'est dur à l'appliquer? Non, c'est pas un petit concept. Ah, d'accord, c'est un grand concept. Mais juste, il faut le savoir, Robin. Ouais. Parce que là, il n'y a rien à faire, Tarles. C'est quoi le Inyan? C'est de savoir toutes les choses. Tu sais, c'est très important de savoir ça. Moi, mon fils, quand il a entendu ça, ça veut dire. Ça le remet en place. Il sait. Ouais, au moins, je ne souffre pas pour rien. Je pousse. Je vais être un homme. Je vais savoir des choses que les autres ne vont pas savoir. Je vais moins souffrir plus tard, parce que je sais de quoi ce que c'est. Je vais être mentalement... Comment ça s'appelle en français le... Quand... Coaching. Non, quand on... au sportif, qu'il a plus de force, on lui dit, allez, encore un pas, allez tu... Alors, il doit l'endurance, se... L'endurance. L'endurance, elle est... C'est ça qui crée ce côté. Et il dit, ah ben non, c'est que l'endurance qu'on a besoin. Et moi, je suis derrière, je te dis, allez. Mais mec, c'est ça. Tu vois les arbres, ils passent 2000 ans, des tempêtes, des trucs et tout. Plus il grandit, plus il est fort là. D'accord, exactement. Plus il grandit, plus il est fort. D'accord. Il faut juste tenir. Ou meodana le maalato. Je voudrais te... Léodi alecha. Comment on dit Léodi alecha? T'annoncer, je voudrais t'annoncer les malato à ton Altesse, qui bedati les chefs bekan qui ilak dosha zaslav. J'ai dans mon idée de rester ici dans la keila de zaslav les RR shlosha chodashim à peu près pendant 3 mois. Vaharkar et daerlifnot, et après je serai où je dois aller. Pourquoi il lui dit ça? Il lui dit ça si... Non, ça s'arrête, point. Bon, maintenant, on est passé dans un autre paragraphe. L'autre paragraphe, il lui dit, je vais rester à Zaslav pendant 3 mois, et après les 3 mois, je ne sais pas encore où je vais aller. Pourquoi il lui écrit ça? Il lui écrit ça pour, s'il veut garder le contact avec des lettres, de savoir à qui envoyer ou envoyer. Point. Maintenant, un autre paragraphe. Ou Meodana, je dois aussi te faire savoir. Chez Zugati, Mitrila Ayala Shinui, que ma femme, au début, elle avait un changement. Il avait déjà dit ça. Il a dit, il n'a pas dit un changement en bien ou en mal. Ouais. Là aussi, il fait la même chose. Ayala Shinui, il y avait un changement. Il est constant, non? Ve'archav, nitaper, ve'olech, ou mitmaet, kocha, becholium. Mais je suis obligé de te dire que tous les jours qui passent, tous les jours, elle s'affaiblit et elle perd de sa force. Donc c'était un Shinui Letova, Kanira. Va'otsa, Bekan Meruba. Et ici, les frais, ils sont très très chers. Kiaya Liotsot, Bekan Arba, Vechamisha Dumim. Car le peu de temps que j'étais à Zaslav, j'ai sorti entre 40 et 50 Adumim. Adumim, mes amis, c'est la pièce la plus élevée. Je ne sais pas combien c'est, mais c'est très, très, très beau. Il avait demandé 100 adoumim. 100 adoumim, il avait demandé. 100 adoumim, c'était une très grande somme. Et là, il dit, j'ai déjà utilisé 50 adoumim. Ça veut dire, c'est une grande... Vetulomidi, et tout, et pas plus que ça. Il y a encore plus, ça veut dire, ça ne s'arrête pas qu'à 50. Apparemment, je vais... Vetulomidi, plus que ça, il n'y a rien à rajouter. Rak Chaim, je te souhaite que de la vie. Minai, il signe. Achicha, ton frère, Oev Nafshecha, qui t'aime, Adore Shlomo, qui veut, qui demande ton. Un Adore Shlomcha, Drisha Shalom, comment on dit? On l'avait dit la semaine dernière. Qui te passe le bonjour. Tamid,
ou metzapel ishmoa mimen ou besorot tovot, et qu'il attend d'entendre de lui des bonnes nouvelles, velirot bechaim veshalom, et de le voir dans la vie et dans la paix. Nachman ben morenu arav rabbi simcha ishmeru tsuru veichayeu. Zugati peresed bishlom zugato, ma femme passe le bonjour à ta femme. Biti Myriam, Poreset, Bishlom Kulchem, et ma fille Myriam passe le bonjour à toute la famille. Velifros, Beshalom, Tomchav, Anilvim Elav. Et je veux que tu donnes le bonjour à toutes les personnes qui sont tes amis. Dis-leur, Rabbi Nachman te passe le bonjour à toutes tes amis, ceux qui sont pour toi. Chizku Veimtsu, force et courage. Kiyesh Sachar le Peulatrem, car il y a une récompense à vos actions. Baiser ou bava dans ce monde et dans le monde futur. Nachmen Anal. Ça, c'est la seule lettre entre et avec son père, il n'a jamais eu de. On ne sait pas, c'est un solde total avec Rabbi Sifra. Ouais. Il n'y a pas d'histoire. On ne connaît pas. Et des rapports d'après, comme en truc, ce monde. On connaît parce que ça aussi c'est bêta. Mais c'est resté un son. Il y a un endroit où on sait où Rabbeinu, Rabbi Simcha était invité dans le mariage d'une des filles de Rabbeinu, et là-bas Rabbeinu a dévoilé une Torah. C'était la première fois de sa vie qu'il a dévoilé une Torah devant son père Rabbi Simcha et devant sa mère Feige. Et sa mère Feige, elle a dit: j'ai vu que mon grand-père le Baal Shem Tov était à côté de toi en train de t'écouter. Et Rabbi Simcha, on raconte qu'il était ébloui de la façon de comment Rabbeinu il dévoile une Torah. C'est-à-dire la façon de comment. Attends, mais deux secondes. C'est la seule chose qu'on a en contact que de son vivant après qu'il est devenu Admour. Ouais, je peux encore, j'ai fait hier, mais je peux. Toi aussi, tu veux faire Kaddish encore? Je dois faire, je sais pas, c'est le jour de l'Askara seulement ou même après? Tu peux faire après si tu veux. C'est la semaine même. Ouais. Alors, Bezrat Hashem, on est 10 là? On est 10?